Bon, vous l'aurez compris dans l'épisode d'aujourd'hui, voilà. On n'est pas chez Pécor, si je puis me permettre. Hein. On a l'immense privilège d'être accueillis chez Woodbrass Deluxe. Alors Woodbrass Deluxe, si vous ne connaissez pas déjà Woodbrass, qui est un des leaders français de l'industrie musicale, hein, au niveau du vente d'instruments, etc. Ils ont installé dans leurs locaux parisiens un petit appartement tout privatisé pour vous permettre de... Vas-y, viens. Voilà, viens, voilà, il me coupe en plein vlog, comment tu veux qu'on y aille. Désolé, parce que tu filmes. Ouais, je filme. Ah, c'est bien ça. Regarde. Ah, on se voit. Voilà. Bonjour. C'est le patron, c'est lui qui nous accueille. C'est Gaël. Effectivement. Voilà. Ça, je le laisse 2 minutes, je vois, il a fermé les portes, là, il a tiré les rideaux et tout. Ah, en même temps. Il est passé avec le rouleau de sopalin à la Nivea, je commence à me dire. Voilà. En même temps. Voilà. Quand il y a ce genre de choses, t'es un peu obligé quoi. Hein, non, c'est fait pour. Hein. Et du coup, au-dessus des locaux parisiens, ouais. Woodbrass Deluxe. Tout à fait. Appartement privatisé. Exactement. En mode, on essuie ses chaussures et on vient essayer de la grade de qualité. Quoi. Non, ouais, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, c'est une continuité de la surface de vente en fait traditionnelle. L'idée, c'est de montrer des instruments issus de custom shop, Fender, Gibson principalement, quelques autres instruments un petit peu plus rare, de la Trossard par exemple, Whitfield également. L'idée... voilà, Trossard. On va voir 2-3 grades après. L'idée c'est de pouvoir essayer ça dans de bonnes conditions. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu viens tester une guitare vraiment haut de gamme, tu as peut-être envie d'avoir le temps de le faire, d'avoir pas forcément la pression d'un vendeur qui répond au téléphone ou qui va attendre derrière parce qu'il a un client. Ou les gens qui vous écoutent aussi. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pour ça que on a fait, en plus de ce showroom-là, on a une cabine de studio qui est opérationnelle. Mm-hmm. Tu peux pousser au volume que tu veux, c'est insonorisé. Là, tu peux... 11, on n'a pas peur. Avec tout ça, en plus, on a possibilité d'enregistrer, comme je te disais tout à l'heure. D'accord. Si tu veux faire le comparatif entre, par exemple, une True Historique, une 58, une 59, une 60, pour trouver celle qui te correspond mieux, tu fais tes enregistrements. Donc, je te file tout ça sur une clé USB, parce que je suis un mec super sympa. Ah, c'est cool ça. Voilà, et tu réécoutes ça au casque, tranquille chez toi. Puis ça te permet aussi, tu vois, de pouvoir redescendre, parce que forcément, à l'arrêt, enfin, quand t'es sur un test comme ça, t'es vachement sur l'instrument, t'es plus en train peut-être de te concentrer sur ton jeu, vraiment sur tes sensations et que sur, on va dire, l'analyse objective de ce que tu entends, tu vois. Donc c'est aussi une manière une autre manière de tester. Bon, grosso modo, nos petits oignons et puis on est bien, quoi. C'est bien, on est un peu comme chez Ah bah, j'ai demandé à Gaël de nous faire le tour d'une gratte ou deux, et puis voilà, c'est lui qui choisit. Ah, une Telecaster, parce qu'on va pas se refaire non plus. Une Esquire, pour être précis. Donc l'Esquire, pour mémoire, donc un seul micro chevalet, pas de micro manche, un sélecteur 3 positions, qui pour le coup va te donner pas de tonalité engagée, fonctionnelle, et qui passe par une petite capa, donc qui te fait une espèce de son un petit peu sourd, qui va être super rigolo, comme si tu jouais sous l'eau, avec une fuzz, c'est mortel. La particularité de celle-ci, c'est au-delà du magnifique Sunburst, le reliquage prononcé mais sans rentrer trop dans le hardcore relique avec les petites craquelures et la grain de bois que tu vois, c'est un manche en fait qui est fait en palissandre, donc touche et vraiment manche en palissandre. Donc ça, avec les nouvelles normes qu'ils ont passées, le CITES sur l'importation de la traçabilité du palissandre, ça a été une des jolies choses de chez Fender qui est arrivé par ici. Voilà, bah forcément ça te fait un instrument qui sonne différemment par rapport à une Esquire, parce que Palisson n'a pas du tout les mêmes propriétés. D'accord. Relativement léger, t'as un peu plus de résonance, t'as une chaleur supplémentaire en fait, un truc qui marche vraiment bien quoi. Puis t'as le petit vernis qui va bien. Bah oui, tout ce que là, voilà, je sais pas si on voit bien. Ah, on va faire des petits plans dégueulasses. On va faire des petits plans porno. Gaël, tu nous montres un autre morceau. Une Gibson. Gibson Les Paul Custom, avec juste un humbucker en chevalet, un volume, une tonalité. Donc, principalement tout ce qu'il faut pour faire une vraie guitare en fait. Le reste c'est du superflu. Plus sérieusement, c'est la liberté que tu vas avoir avec les custom shops en fait, c'est de pouvoir faire un instrument qui te ressemble, à quelque chose que tu ne trouveras pas dans le commerce tout bêtement, et d'avoir un niveau de personnalisation, qualité de finition, etc. qui sera quand même beaucoup plus élevé. Ça vous arrive souvent d'avoir des pétages de câbles de la part des clients? Moi je veux ça, avec ça, avec ça. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, pour beaucoup de clients, t'as un côté très sage, on veut rester dans quelque chose et tout, et puis ils te posent forcément une question un peu innocente, juste ah, mais ça doit pas être possible de le faire. Je vais me renseigner. Puis bon, quand c'est possible de le faire, tu te dis ah ouais, tiens, tu sais, cette option là, c'est possible. Mais du coup, tiens, ça commence à converger parce que du coup, le truc est déjà dans sa tête, tu vois. Ça, ah mais je pourrais la faire comme si, alors ça, type de micro, tu vois. C'est ça. Et puis au final, alors soit on va avoir vraiment les puristes qui veulent la guitare de leur idole ou
de leur jeunesse, tout simplement. Mmh. Vraiment le truc. Toi, tu vois, le mec, il fait un truc complètement perso. Dans tous les cas, c'est toujours hyper drôle à faire. C'est un chouette moment parce qu'il y a de la créativité, il y a de l'échange. Ouais. C'est vraiment cool, quoi. En fait, on est un peu comme des gosses, en fait. C'est ah, oui, là, clairement, là-dessus, ouais. C'est un peu c'est la Charlie et la chocolaterie. C'est carrément ça. Comment ça se passe si je veux venir chez Woodbrass Deluxe? Parce que moi, bon voilà. Alors toi perso, moi je suis un toi, peu. Toi, t'es venu une fois, donc c'est. Voilà, je viens, je fous le pied dans la porte en voilà, mode relou. Mais monsieur tout le monde, si je veux venir. Et bien tout simplement, on a un numéro de téléphone qui est disponible sur le site. On peut appeler directement le call center qui redirige aussi pour m'envoyer aussi un mail. D'accord. Donc, tu veux, je sais pas, donner mon adresse mail peut-être. Si tu veux, on la remettra. On la vous la met là. Voilà. Elle est là. Là. De toute façon, t'écoutes pas, donc au moins tu vas lire. T'es parti faire autre chose. Regarde-moi ça. Hein, il a le rouleau de ce balin, il a le... Ah, il est là, c'est toi, ça. Ah. Non, là, tu viens, tu prends rendez-vous, tu me dis, ah oui, ça, tiens, salut, j'aime bien les Les Paul. Voilà, moi, je t'ai dit, bah écoute, j'ai ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que tu veux ou essayer les, ou les télécasters, non ou les télécasters, surtout les télécasters. Voilà, je la prépare. Si par exemple tu joues avec des cordes 1360, accordéon, drop, mi et tout. Stevie il appelle. Voilà, il dit ouais, moi. Donc voilà, ça permet en fait de pouvoir essayer des trucs qui sont vraiment qui ressemblent à ce que toi tu en feras. D'accord. Parce que essayer une guitare en 942 alors que toi tu as l'habitude de jouer en 1052 en standard, tu n'auras pas forcément de très bonnes sensations. Donc là c'est aussi le petit plus quand tu viens au showroom, tu peux vraiment essayer un instrument qui est réglé pour toi ou si par exemple tu en essayes une, tu te dis ah c'est pas mal, par contre j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus basse, soit un peu plus haute. Ça. Ah ouais, donc du coup là on est voilà. Alors, on essaie de là faire on est reçu on est quand on même de faire bien. Ça c'est qu'à un moment les gars on appelle bien ça des luxe quoi. Faut attention mise en scène. Mais dis donc Gaël. Oui Romain. Il n'y a que des guitares électriques ici. Mais bien sûr que non Romain, il n'y a pas que des guitares électriques. Là on fait aussi de l'amplification, on fait aussi de la pédale d'effet boutique, des accessoires. Là je sais pas si ce que ça donnera mais tu as les pédales board, les Rolf qui sont là. Les pédales board, il y a des pédales board, j'ai pas vu moi. Fabriqué par un monsieur, attends je vais te le sortir. Des beaux pédales board custom. Fait par notre ami Rolf, il est vendu avec ses accessoires. Et du coup, en termes de pédales, je mets quoi dedans? Oh bah après, tu peux mettre ce que tu veux. Tout ça. Ouais, voilà, tu peux. Voilà, nous on fait beaucoup Strymon, par exemple. Là, avec les fêtes de Noël, on en a peut-être un petit peu moins, mais ça va pas tarder à revenir au magasin. On a aussi Analog Alien, on va avoir Way Huge aussi, les petites Enreta Engineering qui sont vraiment cool. Anasound, évidemment. Après, ce qui est cool, c'est que si par exemple tu veux te faire un système de pedalboard, moi je suis complètement pour te filer un coup de main pour calmer ton pedalboard et le faire avec toi. Bon, alors donc, grosso modo, je passe un coup de fil. Ouais. Je te dis, moi je veux ça comme gratte. Ouais. Avec tel réglage dessus, ouais. Tel tirant de corne, ouais. J'aime bien l'action comme ci, comme ça. Ouais. Et en même temps, je voudrais essayer un pedalboard sur lequel il y a telle pédale, plus telle pédale, plus telle pédale. Mm-hmm. Et puis, je voudrais essayer ça dans tel ampli. Mm-hmm. Je prends rendez-vous et grosso modo, quand je viens... Alors, je te mettrai peut-être un peu de délai. Non, parce mais on est d'accord. Ça va être un peu chiant aussi. On est d'accord. Mais en vrai, mais... oui, tu viens et puis voilà. D'accord. Si vraiment, il y a quelque chose que je n'ai pas ou que je peux pas faire venir ou quoi, je te prends dans la famille directement. Voilà. Mais après, oui, tout est relativement faisable, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bien, mais ça c'est assez polyvalent et, c'est chouette, hein. Et je saurais pas te dire, mais c'est juste que ça sonne grave quoi. Mmh. Ça sonne grave. Bon, grosso modo, faut venir essayer quoi. Faut venir essayer, voilà, hein. Parce que les vidéos c'est bien gentil, hein, mais. C'est vrai que les vidéos c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en dit? Les vidéos c'est bien, mais. C'est bien gentil quand même, hein. Les vidéos pâtes là. Gaël, il a passé la journée avec deux glandus. On est venu lui casser les burnes et tout. Et ça c'est quoi? Et c'est quelle année? Machin. Il nous a tout sorti, il connaît tout par cœur. C'était long.